Sorn pense déjà que Zavala l'a abandonné, ainsi que les survivants. Et maintenant que nous sommes partis, si nous étions restés, c'est vrai que nous aurions pu les aider à survivre, mais... Si Zavala prépare réellement une contre-offensive depuis Titan, on pourra tous les sauver et reprendre la cité. Flotte de l'avant-garde. Vaisseau numéro 723 en approche. Nous avons reçu votre signal et sommes prêts à nous battre. Vaisseau 273, ici Zavala. C'est trop tard. La ruche a envahi Titan. C'était une erreur de nous faire venir ici.
C'est un terminal de l'âge d'or. Et un utilisateur est toujours connecté. Leilani Valero, technicienne de la marine, d'immatriculation 426. Elle était apparemment en train d'enregistrer un rapport d'urgence.
Quel est cet endroit ? Les cités sur Titan datant de l'âge d'or ont fait autrefois la fierté de l'humanité. Nous pensions qu'elles étaient abandonnées. Mais j'ai été idiot de croire que la ruche ne se serait pas aventurée aussi loin. Sloan, nous avons le centre de contrôle en vue. Bien reçu. Continue d'avancer. Commandant, à cette vitesse, nous pourrons bientôt planifier notre contre-attaque et nous serons aux portes de la cité en un rien de temps. Si seulement c'était aussi simple. Thank you.
On dirait que la ruche effectue une sorte de... rituel. Nous devrions interroger Ikora. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur la magie de la ruche. Personne n'a entendu parler d'Ikora ou de Cade depuis la chute de la cité. Voilà le centre de contrôle. Nettoyez la zone que nous puissions nous installer. Nous avons réussi, Sloan. Parfait. Faites un tour de reconnaissance avant de vous diriger vers le centre de contrôle. Donc, il semblerait que nous nous trouvions sur un terrain propice à la reproduction de la ruche. Nettoyez-moi tout ça. Nous dirigeons vers le centre de contrôle. Très bien. Dégagez la zone. Nous attendons votre signal.
reçu. Zavala et moi sommes en approche. Nous arrivons près de la plateforme d'atterrissage. Rejoignez-nous pour que nous vous félicitions. Je n'osais pas y croire. Si la lumière a pu retrouver son chemin jusqu'à vous, alors il y a peut-être un espoir pour nous tous. Nous sommes de moins en moins nombreux. Nous arrivons à peine à nous protéger, et je ne vous parle pas des survivants. Et sans la lumière, sommes-nous toujours des gardiens ? Commandant ? Nous ne tiendrons pas longtemps sans générateur. La centrale est alimentée par l'énergie des vagues. La ruche est passée par là. Il va falloir la réparer. Nous pouvons nous en charger. Oui, je n'en doute pas une seconde. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. Maintenant que nous avons atteint le centre de contrôle, il faut trouver un moyen de restaurer le courant avant de pouvoir nous occuper de la flotte. Le commandant Zavala m'a dit que vous vous étiez porté volontaire. Je dirige les opérations et Holiday, la responsable de la flotte, fournira le soutien technique. La mission est simple, entrez, activez l'interrupteur et sortez. Sloan est plutôt doué pour rendre les choses simples, hein ? Nous avons attiré les déchus ici. Non. Les vautours nous suivent depuis que nous avons évacué la Terre. Thank you.
Amanda, la ruche a tout infecté. Holiday, il faut que vous repreniez votre vaisseau. Nous avons besoin de vous pour évaluer la menace depuis les airs et s'assurer que le périmètre est sécurisé. Ouais. Vous savez quoi? Mon vaisseau a pas mal souffert quand on a évacué. Une fois que nous aurons rétabli le courant, votre vaisseau sera le premier à être réparé. Super. Super. Si on arrive à distinguer les convertisseurs d'énergie des vagues. Super, vous n'avez plus qu'à activer l'interrupteur pour les allumer. Accès au système en cours. Quelques pistons bougent, mais nous sommes toujours dans le noir. Il doit y avoir un problème. Les pistons doivent être bloqués. Désolé, les amis, mais vous allez devoir sortir et trouver un moyen de réparer ça. Thank you.
avez entendu ça? Nous sommes sur les plateformes des convertisseurs. Ok. Vérifiez les pistons en panne pour voir ce qui les bloque. Une fois qu'ils pourront tous bouger, nous aurons du courant. Nous avons trouvé la source du problème. La ruche a sali nos pistons. Trouvons un moyen de réparer ça. Il faut arriver à activer le convertisseur avant d'avancer. Le premier piston est opérationnel. Nous l'avons bien décapé. C'est génial, mais on est toujours dans le noir par ici. On dirait qu'il reste des choses à décaper, gardien.
dernier piston est dégagé. Le centre de contrôle est toujours dans le noir. Mais c'est sûrement plus qu'un simple problème de piston. Il va falloir aller jouer un peu avec le disjoncteur. Essayez la plateforme centrale. Tout le courant est acheminé par là. Devrait se trouver dans le coin. Trouvez-le et activez l'interrupteur, tout comme je vous l'ai demandé. Ouais, le courant est rétabli. Vous avez tous fait de l'excellent travail. Mais nous devons toujours nous occuper de ces communications ennemies interceptées. La vue est magnifique, hein? Grâce à vous, nous sommes opérationnels. Mais il reste pas mal de choses à faire ici. Pour commencer, il faut réussir à préparer la riposte contre la Légion Rouge. J'ai un plan, mais sans vous, il ne fonctionnera pas. Lors de l'évacuation de la cité, nous avons intercepté un signal prioritaire de la Légion Rouge, et nous n'arrivons pas à le déchiffrer. Selon Holiday, il y a une technologie qui permettrait de le faire à l'Arcologie, qui est en territoire hostile. Vous serez à l'aveugle. Ce lieu n'a pas été visité depuis des siècles. Tout ce qu'on sait, c'est que la ruche y sévit, et ça ne va pas vous faciliter la tâche. Mais, si ça vous intéresse, menons ce plan à exécution. Bonne chance, Titan. Gardien. Rompez. Voyons voir l'état du réseau électrique. Bon, toujours OK. Repos.
Je suis là pour vous aider. Il nous faut l'autorisation de l'avant-garde pour ça, et pour ça aussi. Ah, et ça aussi. J'ai de nouveaux ordres de mission. Mettons-nous au travail. On dirait que des signaux correspondant à la ruche se dirigent droit vers nous. Tenez-vous prêts pour une attaque. Détends-toi. Gardien, les voleurs déchus se dirigent droit vers vous. Ils nous ont attaqués puis se sont enfuis. Nous avons perdu des outils, de l'équipement. Impossible pour mes équipes de se mettre au travail. À vous, mes équipes vont pouvoir renforcer cette plateforme en un rien de temps. Nous avons localisé ce qui reste de cette bande de déchus. Ils ont accumulé un sacré stock de technologie de l'âge d'or, pas très loin d'ici. Il est temps de leur rendre la monnaie de leurs pièces.
crois que c'est là qu'ils cachent leur butin. Nettoyez la zone avant d'effectuer une téléportation. Un protocole de téléportation. Non mais, attendez une seconde. Où est ma balise? Les déchus vous ont aussi volé votre balise de téléportation? Sloane a dû céder sa place pendant quelques instants. Ce qu'elle crie pourrait vous percer les tympans. Puis-je vous conseiller de retrouver cette balise? Ce déchu ressemble à un voleur de balises de téléportation. Moi, je trouve que oui. Celui-là. Celui-là doit être notre voleur de balises de téléportation. Il a l'air encore plus voleur que le précédent. La zone est nettoyée. Retournons à leur cache que je puisse vous téléporter tout ça.
les avait tous éliminés. Ces composants sont essentiels pour maintenir l'intégrité structurelle de la plateforme. Grâce à vous, nous avons les outils pour tout remettre en ordre. Peu importe ce que les déchus volent, nous le récupérons toujours. Je ne tolère pas le vol, mais je sais apprécier une bonne vengeance. Bon travail. Dans les tunnels latéraux. Gardien ? Rompez, gardien. Que peuvent bien signifier ces runes ? Je devrais demander à... Oui ? Bonne chance, Titan. Qu'y a-t-il ? On en a perdu deux autres dans les tunnels latéraux. Va falloir modifier les ordres de mission.